Nous allons raconter l'histoire de Hansel et Gretel. Je crois que nous avons entendu pour moi. Deux petits enfants qui s'appelaient Hansel et Gretel. Un soir, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas beaucoup à manger. Alors un jour, la maman de son papa, le papa Hansel et Gretel, si on tape des enfants dans la forêt comme ça, on n'aura plus à manger. En fait, on va aller chercher des cailloux. Elle ouvra la porte et elle est dans la fontaine, elle y a cherché des petits cailloux. Et après, ils partent dans la forêt. Mais en fait, elle mettait des cailloux sur le chemin. Et après, ils étaient arrivés dans la forêt. Dormir. Et là, les parents partirent. Il disait, on va se faire manger par le loup. Non, Gretel, elle disait, non, il faut juste retrouver les petits cailloux que j'ai mis sur mon chemin. Et après, là, il rentra à la maison. Et la mère, elle était très énervée et le papa, il était très content. Le papa, il disait, venez nous rencontrer à l'œil. Demain, nous allons perdre les enfants dans la forêt. Et après, le lendemain matin, Gretel avait parlé à l'aide de Rome. Et puis, elle était fermée à clé. Du coup, elle avait une idée de prendre des miettes de pain. Et après, le lendemain matin, ils avaient repéré les enfants. Et ils coupaient du bois. Et Hansel, elle mettait plein de petits. Elle mettait plein de petits cailloux sur le chemin. Il redorma. Et après, il disait les parents. Là, je n'étais pas de revenir. Ils avaient demandé des miettes de pain. Et à voyager, ils ont offert des pistes. Du coup, les enfants avaient envie de la manger. Et là, en fait, mais la sorcière, elle disait, mais qui grignote de ma maison? Oh, je vois que vous avez très faim. Venez manger. Toi, tu vas être ma servante. Il faut qu'il grossisse. Un morceau d'os de poulet et il le mettait à son poignet. Et la sorcière, elle dit, mais il n'a pas du tout grossi. Bon, tant pis, je vais le manger quand même. Va voir si le four est assez chaud. Mais je ne sais pas comment faire. Allez, vas-y. Je ne sais pas comment faire. Bon, je vais te montrer. Le four, je mets la tête dedans. Pas tout du noir. Et là, elle brûle. Ça va faire mal. Et là, elle a découvert la clé et elle délivra un sel. Et du coup, les enfants, ils passaient vite dehors de la maison. Et on a leur maison. Et le papa, il était tellement content.
maman, elle n'était plus là. Sa belle-mère, elle n'était plus là. Et maintenant, ils vivaient que tous les trois. Et ils étaient heureux. Oui, très heureux. Ils avaient rendu plein d'or et plein de sang.